Jusqu'où ira l'IGF, Inspection Générale des Finances? L'inspecteur général, chef de service Jules Alinguété, super flic, superman, au-dessus de tout soupçon? Face à face spécial, ce mardi 6 juillet, après le journal de 19h. Je reçois Jules Alinguété, inspecteur général, chef de service de l'IGF. Quand on parle d'audit, inspection, vérification, surveillance des opérations financières du pouvoir central, des provinces et des ETD, mais aussi des organismes et des entreprises, on pense IGF, Inspection Générale des Finances. Monsieur Jules Alinguété, bonjour. Bonjour. Vous en êtes l'inspecteur général, chef de service. Que pensez-vous de la place qu'a votre inspection aujourd'hui dans les faits, mais aussi dans l'imaginaire congolais? Nous sommes satisfaits de porter l'Inspection Générale des Finances à la connaissance de tout le Congolais pour que nos compatriotes sachent ce que l'Inspection Générale des Finances fait comme travail et qu'est-ce que nous pouvons apporter dans le cadre de la lutte contre l'impunité qui a élu domicile dans notre société depuis longtemps. Voilà ce que je pense pour l'inspection. Ça, c'est ce que vous pensez de manière théorique, mais dans les faits, aujourd'hui, quand on parle IGF, on parle pas chasse aux sorcières, mais chasse aux vilains, on va dire. Et les vilains semblent nombreux dans notre pays. Aujourd'hui, quand on dit IGF, on dit moralisation de la gestion. Vous pensez qu'aujourd'hui, IGF égale moralisation de la gestion? Oui, c'est l'un des objectifs de l'Inspection Générale des Finances, c'est-à-dire contribuer efficacement à la moralisation de la gestion, à l'implémentation de la bonne gouvernance. Et ça, nous allons le faire et nous continuons à le faire avec beaucoup d'efficacité. Quand on parle d'IGF, rappelons que l'Inspection Générale des Finances accomplit toute enquête ou mission d'audit, je l'ai déjà dit, contre-vérification et surveillance de toutes les opérations financières. Vous avez donc accès à tout, tant en recettes qu'en dépenses. Oui, c'est exact. Tous les chiffres, pouvoir central, province, entité territoriale décentralisée, les fameuses ETD, organismes ou entreprises de toute nature, tout ce qui est à l'État, vous pouvez aller dans les comptes de tout le monde. Nous avons accès à tout, mais il y a quelques exceptions. Il y a des dépenses qui sont classées, dépenses de souveraineté, les dépenses de l'armée, les dépenses de la sécurité, qui ne sont pas généralement soumises au contrôle. Et qui classe ces dépenses-là? C'est la loi. Et quand on parle, par exemple, récemment, on a parlé des cartes de crédit. Ça, ce ne sont pas des dépenses de souveraineté reconnues à certaines autorités? Non, ce ne sont pas des dépenses de souveraineté. D'ailleurs, ça, c'est un abus grave dans les finances publiques congolaises parce que la loi relative aux finances publiques, qui est le cadre général qui régit les finances publiques congolaises, n'a pas prévu ces mécanismes de faire des cartes Visa tirées sur le compte général du Trésor. Bien que d'autres... On dit que ce n'était pas sur le compte général du Trésor. Ces cartes sont sur les comptes des banques commerciales. Je confirme que c'est sur le compte général du Trésor. Bien que certaines personnes ont voulu dire que la pratique des cartes Visa relève de la haute finance, mais nous disons faux parce que le pays a un cadre légal qui régit les finances publiques, qui prévoit comment les finances publiques doivent être gérées. Donc, tirer les cartes Visa sur le compte général des trésors n'est pas prévu. C'est tiré sur le compte général des trésors parce que ces cartes sont émises par les banques commerciales. Et pour que les banques commerciales puissent vous donner une carte Visa, il faut que vous ayez les comptes dans les banques commerciales. C'est la banque centrale qui a les comptes dans les banques commerciales. Voilà pourquoi le trésor public est passé via la banque centrale pour avoir des cartes dans les banques commerciales. Et quand les comptes dans les banques de la banque centrale, une fois les utilisateurs occasion de dépenses, la banque centrale est débitée et la banque centrale à son tour débite automatiquement le compte général du trésor. Donc passer par le compte de la banque centrale n'est qu'une voie pour arriver au compte général du trésor. Le véritable compte qui supporte ces dépenses, c'est le compte général du trésor. Donc pas les comptes de souveraineté, vous auditez tout sauf par exemple ce que récemment le président de la République a annoncé comme le pan d'une certaine corruption, entendez, les comptes de l'armée. Vous ne pouvez pas toucher là-bas. Oui,
il y a par exemple les dépenses de sécurité, les dépenses de l'acquisition des armes, des équipements militaires. Il y a globalement, on peut prendre ça. Les salaires des militaires. Non, les salaires des militaires n'est pas classé secret défense. Nous pouvons contrôler et d'ailleurs nous sommes en train d'envisager un grand contrôle sur la paye de tous ceux qui sont pris en charge par les budgets de l'État. Là, il n'y a aucun secret défense. Ce qui est secret, c'est que nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons pas contrôler et divulguer, c'est au fait les dépenses de sécurité et les dépenses de l'armée. Vous pouvez auditer les comptes de la présidence de la République ? Oui, nous auditons les comptes de la présidence de la République. Pour le moment, d'ailleurs, nous sommes en train de faire un travail au niveau de la présidence de la République pour recenser les effectifs et regarder de quelle manière ces effectifs sont payés. Les gens ne sont pas informés pour ça. Nous sommes en train de faire ce travail. On doit rappeler que vous émanez, vous êtes aujourd'hui un service de la présidence de la République. Non, nous ne sommes pas un service de la présidence de la République. Nous rattaché. Un service public qui dépend de l'autorité. Sous la directe. Tutelle du président de la République, non, ou de la présidence? Non, nous sommes un service public rattaché à l'autorité directe du chef de l'État. Il faudra que j'explique un peu pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, les inspections générales des finances par le monde, les rattachements administratifs dépendent des niveaux de la prédation, des niveaux de corruption, les niveaux de détournement que chaque pays a atteint. Il y a des pays où l'inspection générale des finances dépend du ministre des Finances, il y a des pays où elle dépend du premier ministre, il y a des pays encore où ça dépend du président de la République. Dans des pays où la bonne gouvernance a atteint des niveaux très élevés comme la France, la Belgique, les ministres des Finances n'ont pas trop d'efforts à faire dans le cadre de la gestion des finances publiques et il est la personne qui donne l'impulsion, à ce moment-là, l'inspection générale des finances peut être placée sous l'autorité directe du ministre des Finances. Et ça devient, au fait, un organe du ministre des Finances pour contrôler tout ce que les autres sont en train de faire. Dans des pays où le ministre des Finances est fortement impliqué dans la gestion des finances publiques qui constituent les champs de contrôle de l'inspection, comme en RDC, on a tendance à amener l'inspection au niveau de la primature pour lui donner une grande indépendance dans l'exercice des missions de contrôle. Et dans d'autres pays, l'inspection générale des finances relève de l'autorité du chef de l'État, comme en Tanzanie. Les résultats réalisés dans la lutte contre l'impunité en Tanzanie, c'est notamment avec l'inspection générale des finances, qui est appelée là-bas vérification générale des comptes de l'État. Donc ça dépend de chaque pays. Donc ici chez nous, compte tenu des niveaux des antivaleurs dans les finances publiques, le président Kabila a estimé en 2019 amener l'inspection générale des finances au niveau de la présidence ou au niveau de son autorité directe. C'est lui qui a fait de l'inspection générale des finances un service relevant de l'autorité directe du chef de l'État. Alors moi je voudrais savoir comment vous fonctionnez. Vous vous autosaisissez de certains comptes ou vous œuvrez selon des ordres de mission qui vous sont donnés par le président de la République? Vous avez dit pas la présidence, hein, vous avez dit le président de la République. Nous faisons un programme d'action au début de l'année. Un programme d'action, nous disons voilà ce que nous voulons contrôler. Parce que nous sommes saisis par beaucoup de compatriotes sur des faits de détournement, de malversations. Les dossiers arrivent à l'inspection générale des finances. Nous-mêmes, nous connaissons le fonctionnement des finances publiques congolaises. Nous faisons un programme au début de l'année. Nous disons voilà ce que nous voulons faire pour cette année. Et nous soumettons ces programmes d'action à l'approbation du chef de l'État. Donc c'est le président de la République qui dit oui, qui dit non. Il examine notre programme d'action, il dit ok, vous pouvez faire ça, ou je vous ajoute d'autres éléments que je trouve importants que vous pouvez faire. Lorsque ce programme d'action est approuvé, on nous le retourne et nous l'exécutons. Et pendant l'exécution, nous pouvons encore faire des missions urgentes qui tombent à la demande des autorités administratives, politiques et même judiciaires. Nous ajoutons ça à notre programme et nous évoluons. À la demande, vous travaillez aussi pour la justice ou vous amenez vos dossiers à la justice? Nous travaillons aussi pour la justice et nous amenons aussi les dossiers à la justice parce que bien que nous sommes
Inspection générale des finances, services publics, nous avons la qualité d'officier de police judiciaire en compétence spéciale. C'est-à-dire, la loi nous demande, dans l'exercice de nos missions de contrôle, lorsqu'on découvre des faits infractionnels, que nous puissions les porter à la connaissance du ministère public pour lui demander d'envisager la possibilité d'instruire, d'enquêter sur ces faits. Donc, nous avons ces volets-là, nous sommes officiers de police judiciaire. En compétence spéciale, nous avons prêté serment et nous nous sommes engagés dans le cadre de l'exercice de notre fonction d'inspection générale des finances. Si nous découvrons des faits infractionnels, de les porter à la connaissance de la justice. Mais nous sommes prioritairement un service public. Vous portez à la connaissance de la justice après avoir demandé autorisation auprès du président de la République? Non. Dans la communication des faits au niveau de la justice, lorsque nous exerçons nos missions, nous découvrons les faits de détournement, nous faisons une note d'OPJ en qualifiant les faits et nous demandons généralement... Au président de la République? Non, nous demandons à la justice directement. Donc vous ne passez pas parce que vous dites que au début de l'exercice, vous faites un programme, vous l'apportez à la connaissance du président de la République qui ajoute et qui retire. Oui. Le président peut donc vous dire pas là-bas? Non. Je dois vous dire sincèrement que depuis que nous sommes arrivés, le président de la République nous a reçus. Il nous a demandé de faire notre travail en respectant les lois et règlements de la République, de les faire en dehors de toute pesanteur et en toute indépendance. Voilà les recommandations que le président de la République nous a données. Mais ma question, c'est est-ce que le président de la République peut vous dire pas là? J'arrive. Il nous a dit que nous voulons et que l'inspection générale des finances contribue au fait aujourd'hui à l'implémentation de la bonne gouvernance. Et depuis que je suis là, en tout cas, le président de la République ne m'a pas dit de ne pas toucher ici ou là-bas. Non, ma question, ce n'est pas l'a-t-il déjà fait, mais peut-il le faire? Est-ce que vous suivrez l'instruction, puisque vous dites que vous relevez du président de la République, est-ce que vous suivrez l'instruction du président de la République? Ne touchez pas au DG, ne touchez pas à cette société. Nous avons reçu la semaine dernière, en face à face, le conseiller principal du président de la République qui a parlé notamment du FPI. Et dont le souhait, c'est, pendant qu'accord il y a pour la construction d'infrastructures dans le Grand Kassai, de ne pas inquiéter les dirigeants du FPI. Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État. Donc, si nous faisons un rapport au chef de l'État à la fin de nos missions, le chef de l'État lit les rapports, il peut nous donner des orientations en disant, voilà, ok, j'ai lu les rapports, il y a ça, il y a ça. C'est notre autorité directe. Mais jusque-là, nous n'avions pas reçu une instruction d'aller dans l'un ou dans l'autre sens. Tout ce que nous avions reçu comme recommandation, faites votre travail dans le respect des lois et règlements de la République. Voilà comment on est en train de le faire. Je ne vais pas entrer dans les débats du FPI. Chacun a ses considérations. Pour l'inspection générale des finances, quand nous contrôlons, c'est de regarder est-ce qu'il y a mauvaise gestion, il y a des faits de détournement ou pas. Lorsqu'il y en a, l'inspection générale des finances se limite à dire il y a mauvaise gestion, il y a des faits de détournement. Le reste, ce n'est pas notre problème. À dire à qui, on va y arriver. Pourquoi je pose la question? Parce que vous avez, il y a quelques mois, condamné la gestion de certains ministres. L'un est aujourd'hui en prison, l'autre, on ne sait même pas quelle suite a été réservée à tous les faits que vous avez énoncés. Je cite Willy Bakonga, le ministre de l'EPST, et je cite le docteur Eteni Longondo. Pourquoi deux poids, deux mesures? Bon, monsieur Christian, voilà le travail de l'inspection. La mission COVID, pour votre information, c'est le chef de l'État qui était très préoccupé par les questions des Congolais, parce que vous savez, à l'époque, quand la maladie est arrivée chez nous, il y a eu beaucoup de problèmes soulevés par les Congolais. Le chef de l'État était inquiet, il a demandé un jour, mais inspection générale des finances, pourquoi vous ne vérifiez pas les allégations de détournement des fonds COVID?
Et voilà comment on y est entré là-dedans. À la demande du président de la République. En tout cas, le président de la République nous a posé la question, pourquoi les gens disent qu'il y a détournement des fonds Covid et vous n'enquêtez pas sur ça? Donc, nous avions pris ces problèmes, nous avions enquêté. Et quand nous avions enquêté, nous avions établi des faits de malversation financière. L'actuel ministre de la Santé parle de 6 millions de dollars toujours pas justifiés. D'ailleurs, la Banque mondiale a suspendu les décaissements pour ça. Nous avons découvert des faits de mégestion des fonds Covid. Et ces rapports, nous l'avons rendu public. Et nous avions même demandé à la justice d'instruire les dossiers. Nous avions transmis les dossiers à la justice. Dès lors que nous transmettons des dossiers à la justice, nous perdons les pédales. Nous ne pouvons pas faire pression sur la justice. Nous ne sommes pas l'organe habilité pour suivre les rapports au niveau de la justice. Mais aujourd'hui, nous en profitons pour en appeler au nom de l'équité que les problèmes de détournement, des présumés détournement des fonds Covid soient tirés au clair parce que les rapports se trouvent à la justice. Il n'est pas normal qu'on puisse poursuivre les détournements des fonds de la gratuité et d'autres et qu'on laisse les fonds Covid. C'est un dossier important. Nous pensons que la justice finira par poursuivre les présumés auteurs des malversations qui avaient été constatées par l'inspection générale des finances. Appel donc à la justice. Vous avez dans un rapport transmis au chef de l'État mis en évidence la mauvaise gestion à la RVA, à Congo Airways, à la Régie des Eaux, à la SNEL, à l'OCC, à la SONAS, à la SCTP, au FPI, à l'OGFREM, au FONER et à l'INPP. Vous avez condamné ou accusé leurs gestionnaires sans leur avoir donné les moyens de se défendre ou tout ce que vous n'avez pas tout ce que vous avez démontré, c'est en ayant entendu les gestionnaires de ces entreprises. Monsieur Christian, il est très regrettable de constater que les prédateurs, les gestionnaires des fonds publics qui détournent, s'amusent à distraire l'opinion à tout moment. Nous sommes un service supérieur de contrôle placé auprès de l'exécutif. Nous avons des méthodes de travail, des méthodes légales approuvées et professionnelles. Quand nous arrivons pour faire notre contrôle, nous commençons par collecter les données auprès de l'entité contrôlée, nous traitons les données et à la fin du traitement, nous établissons nos observations en termes de mauvaise gestion, des faits de détournement. Lorsque nous avions fini cette étape, nous communiquons à l'entité contrôlée nos observations. On vous dit, voilà ce qu'on vous reproche. On vous donne un délai de 7 jours pour réagir, pour donner vos éléments de réponse. Nous attendons les réponses et ils répondent généralement tous. Ils ont répondu. Ils ont répondu dans les délais de 7 jours. Après avoir eu les réponses, nous avions organisé un débat contradictoire. Nous les avons invités à l'inspection générale des finances autour d'une table avec leur staff. Voici les faits dont on vous reproche. Voici vos éléments de réponse. Maintenant, on en discute face à face. On est passé point par point, on a discuté. Nous les avons écoutés. À la fin de cette procédure contradictoire, l'inspection générale des finances se retire et tire les conséquences qui constituent au fait ce que nous appelons les conclusions définitives. Ces conclusions définitives sont signifiées au contrôlé. On vous dit, après toute sa procédure contradictoire, après débat, après échange, voici les faits que l'inspection générale des finances retient à votre charge. On les communique et par la suite, nous faisons un rapport, nous adressons aux autorités administratives et aux autorités judiciaires s'il y a des faits de détournement. Alors ces gens, pendant les processus, vous assistez à des tentatives, les yeux doux, vous évoluez avec eux, ils espèrent, ils sont là, ils sont soumis à toute la procédure. Quand vous arrivez à la fin, vous leur dites face à face, voilà les conclusions. Et ils s'agitent et ils veulent jeter des doutes dans l'opinion comme s'ils sont surpris des conclusions. Ils sont parfaitement informés du début jusqu'à la fin. C'est comme à la justice. Hein? Vous savez, quand on rend un jugement, vous avez toujours à la fin quelqu'un qui dit « Non, on m'a condamné injustement. » Les prédateurs, les détourneurs, je les dis toujours. C'est comme
les voleurs que vous trouvez au marché central, et tout, ils ont les mêmes réactions. Même quand vous les attrapez en flagrant délit, ils s'agitent toujours pour tenter de ne pas reconnaître les faits. Les conclusions de l'inspection générale des finances sont inattaquables. Je vous dis inattaquables. C'est-à-dire inattaquable vis-à-vis... On ne peut pas démontrer non. qu'il y a dol ou erreur ou défaut dans vos conclusions. Je ne le dis pas inattaquable du point de vue du droit, mais c'est inattaquable vis-à-vis d'eux. Parce que nous avions respecté la procédure, ils étaient parfaitement informés, on leur a dit de quoi on les reproche, ils ont répondu, leur réponse n'était pas convaincante. Et on leur dit, voilà, après avoir longuement échangé, nous retenons à votre charge tel fait. Sur le plan de la procédure, ces conclusions sont inattaquables. Mais sur le plan judiciaire, c'est la justice qui est seule habilitée à rendre les conclusions définitives à charge de quelqu'un. Entre-temps, vous les avez traités de détourneurs. Non, nous, dans nos rapports, nous parlons de présumés détournements. Mais quand nous parlons de présumés détournements. Mais dans vos déclarations, quand vous dites que ceux qui ont volé se retrouvent dans le Parlement, Sénat et Assemblée nationale, où ils sont partis chercher immunité, vous ne parlez pas de présumés voleurs, vous parlez de voleurs, de détourneurs. Oui, là, je ne parlais pas particulièrement des entreprises du portefeuille de l'État. Je parlais dans un cadre général. Ce qui se constate, au fait, dans les finances publiques congolaises, les personnes qui ont été placées au poste de responsabilité de gestion, lorsqu'ils commettent des abus, leur réflexe à la fin de leur mandat, c'est de se retrouver dans des institutions où ils peuvent avoir protection. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas une accusation directe pour telle ou telle personne. Non, nous avons... Vous parlez par exemple de Boukang Alonso, même si vous ne citez pas nom, vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier. Non, pour nous, nous n'avons pas épinglé quelqu'un. Nous étions tout simplement stomaqués, étonnés de constater que le pays a perdu autant d'argent et qu'il n'y a personne qui voulait rendre les comptes. Nous avons voulu tout simplement qu'on nous explique comment on est arrivé à une telle débâcle. Christian retenait que le Congo a connu son premier budget en termes de milliards en 2010. Mobutu, le président Mobutu, excusez-moi, n'a eu à gérer, ou avec ses gouvernements, ils n'ont eu à gérer que des budgets de 500 millions, de 800 millions. Le premier budget en termes de milliards, nous l'avions eu en 2010. Donc c'est autour des années 2010 qu'on a commencé à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Aujourd'hui, on est autour de 6 milliards. C'est-à-dire prendre près de 300 millions dans un budget de 3 milliards, c'est-à-dire 10% du budget. Et jeter de cette manière-là, il y a quand même des explications. Nous avions voulu comprendre comment on est arrivé là pour que nous puissions tirer les leçons du passé pour mieux envisager l'avenir. Tout simplement ça. Donc nous avions dit aux Congolais propriétaires des fonds publics que Boukang Alonso est une débâcle incroyable, inexplicable. Aujourd'hui, aller à Boukang Alonso voir ce qui se passe. Je précise que Boukang Alonso était un parc agro-industriel. Vous êtes intellectuel. Ce n'est pas une ferme agricole. C'est un parc oui. agro-industriel. C'est pour cela qu'on a prévu 400 millions de dollars pour ça. Aller à Boukang Alonso, ça ne reflète pas 400 millions de dollars. Aujourd'hui. Ça reflète combien? Regardez tout d'abord la production aujourd'hui à Boukang Alonso. Oui, mais les 400 millions, des enquêtes que vous avez faites, des 400 millions investis, selon vous, combien ont été réellement investis dans ce parc? On a réellement investi 297 millions de dollars sortis, retracés avec des titres de 297 millions, mais combien sont vraiment rentrés dans ce projet, selon vous? Aujourd'hui, quand nous avions fait l'inventaire du projet, l'inspection générale des finances, nous avions évalué l'existant autour de 80 millions en termes de bâtiments, tout ce qu'on a trouvé là-dedans. Et surtout, le gros dans les 80 millions, c'est la ligne électrique qui a coûté 40 millions de dollars. Et le reste, 40 millions, c'est dans les bâtiments, dans les autres infrastructures. Ce qui nous a conduit à dire, sur les 295 millions qu'on a sortis de Boukang Alonso, de 200 millions. L'État a perdu aujourd'hui
près de 200 millions. Et nous avons tenté d'expliquer, selon l'inspection générale des finances, l'origine de cette perte. Il y a eu beaucoup de surfacturations, beaucoup de cas de surfacturation dans ces projets et beaucoup de fonds dont on n'a pas pu retracer à quoi réellement ça a servi. Mais nous ne voulons pas éternellement rester sur Bukangalonzo. Nous avons beaucoup de dossiers pour nous. Bukangalonzo est déjà terminé. C'est une affaire de la justice. Nous sommes sur un autre dossier. Aujourd'hui, nous en appelons à nos mandataires publics au respect des lois qui régissent les entreprises de l'État ainsi que les établissements publics. C'est notre combat que nous sommes en train de mener pour le moment. Donc, Bukangalonzo, pour nous, c'est un peu terminé. Donc, nous laissons les autres faire leur travail. Comme vous le dites à ces entreprises publiques, RVA, Congo Airways, Régie des Eaux, SNEL, OCC, SONAS, SCTP, FPI, OGFREM, FONER, INPP. Pourquoi seulement ces entreprises? Est-ce que d'autres sont auditées? Dans les stratégies de contrôle, nous regardons tout d'abord là où il y a des enjeux importants, des entreprises qui ont beaucoup de flux d'argent. Gécamines, CNSS ne sont pas cités? Non, nous avions tout d'abord... Il y a un problème que je dois relever tout d'abord. Quand je suis arrivé à la tête de l'inspection générale des finances, l'inspection générale des finances disposait de 60 inspecteurs disponibles pour faire des missions. Or, dans une mission, vous devez avoir au moins 3 ou 4 personnes pour exécuter une mission. Donc, notre capacité d'exécuter des missions était limitée au maximum. Oui, mais si vous prenez les principales entreprises, il y a Gécamines, CNSS, pas forcément INPP. Encore que l'INPP soit... Notre capacité était au maximum de gérer 20 missions. Et quand nous avons une mission, il faut prendre au moins 3 mois pour bien faire et terminer. Donc, la capacité était vraiment très limitée, mais il y a 8 mois, nous avions augmenté sensiblement notre capacité d'intervention avec les recrutements de près de 85 nouveaux inspecteurs qui devait tout d'abord être formé et maintenant nous sommes beaucoup plus opérationnels. Donc nous avions sélectionné un certain nombre d'entreprises où il fallait procéder à des contrôles. Pour le moment, les contrôles sont étendus à la Gécamines, SNCC et tout le reste, l'OGFREM et tout le reste. Donc, cette semaine, les inspecteurs vont se déployer dans le reste d'entreprises qui n'étaient pas encore contrôlées. Ce n'était qu'un problème d'effectifs qui était disponible à l'inspection générale des finances. La présidence a annoncé des mesures conservatoires par rapport à ces entreprises. Elle les a annoncées, puis plus rien. J'allais vous demander qui assure le suivi de ces rapports. Je suppose que c'est entre la justice et la présidence de la République. Le fait que ces mandataires soient toujours en poste, qu'ils aient toujours l'exercice, plein exercice de leur pouvoir, ça ne vous donne pas l'impression de faire du travail pour rien? J'en profite pour lancer un appel pathétique à son Excellence Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement et aux membres du gouvernement concernés par ces dossiers. L'inspection générale des finances a rendu des conclusions définitives. Le chef de l'État, au cours d'un conseil des ministres, a demandé aux membres du gouvernement concernés de prendre des mesures conservatoires. Il est inadmissible, je dis inadmissible, 4 semaines après, que rien ne soit fait. Et il ne faudra pas que de telles attitudes puissent venir décourager les inspecteurs de finances qui font un travail aujourd'hui important. Il y a beaucoup de risques. Nous souhaitons vivement que le gouvernement accompagne efficacement le chef de l'État dans sa vision et quand il y a une décision, que cette décision se matérialise. Ça, c'est vraiment un appel pathétique que nous sommes en train de faire. Nous sommes autant inquiets que vous, parce que nous ne comprenons pas pourquoi cette lenteur, pourquoi est-ce qu'il y a des pesanteurs. Mais vous devez savoir aussi, M. Christian, les prédateurs, les gens qui détournent les fonds publics, ils ont une stratégie. Vous regardez X qui a détourné, mais il n'est pas seul. Derrière lui, il a beaucoup de gens. L'argent de la prédation, l'argent détourné est partagé entre plusieurs personnes. Et parfois, toutes ces personnes-là constituent aujourd'hui des pesanteurs dans l'ombre, ils tirent des ficelles et ça peut expliquer la situation aujourd'hui. Mais je pense
qu'on va y arriver. Nous devons y arriver parce qu'on ne peut pas décourager les gens qui font aujourd'hui un travail risqué, un travail important pour repousser les lignes de détournement. Nous devons y arriver et nous en appelons au gouvernement de la République à matérialiser la décision du chef de l'État qui a souhaité qu'il y ait des mesures conservatoires dans les entreprises concernées par la mégestion décriée par l'inspection générale des finances. Vous avez tout contrôlé. À combien est-ce que vous évaluez les montants détournés? Nous sommes, à mon point de vue, à cette question-là, je voudrais tout d'abord vous donner une information. Je ne sais pas comment je peux appeler cet indice. C'est-à-dire, quand on débourse 100 dollars de fonds publics, la faisabilité, la réalité, il est autour de 30%. Retenez ça. 1 sur 3. Oui. C'est-à-dire, quand le trésor public débourse 100 dollars pour un projet, pour une route, c'est 30 pour une dépense, la réalité, la faisabilité, il est de 30% aujourd'hui. C'est-à-dire 70%, 70%. Dans les poches. Il va, au fait, dans les gaspillages. Ça, c'est un élément important. Dans les gaspillages ou détournements? Parce que dans les détournements, dans les malversations. OK. Alors donc, c'est au fait cet état des choses qui matérialise notre sous-développement et la misère. Et dans cet état des choses, on ne peut pas avoir des routes. On ne peut pas avoir d'école, on ne peut pas avoir des hôpitaux. Comment voulez-vous, nous venons de produire un travail avec, à son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et à son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre des ITP, l'état des routes dans la ville de Kinshasa. Pour votre information, de 2019 à 2020, le FONER a déboursé 73 millions de dollars pour les routes de la ville de Kinshasa. Je dis bien 73 millions de dollars pour les routes de Kinshasa. Mais allez voir, ça se trouve où 73 millions de dollars dans les routes de Kinshasa? Qui détourne? On dirait encore que voilà, on a pointé du doigt. Nous avions présenté... Il y a des gens qui détournent. Si vous dites un tiers, ça veut dire sur les 73 millions, 24-25 millions vont vraiment dans les travaux. Peut-être et 48 millions... Peut-être moins que ça. OK, parce qu'il y a des tronçons. Nous avions regardé des sorties de fonds, nous avions identifié les tronçons et nous avions fait un travail sur terrain avec des ingénieurs spécialisés dans les routes. Et nous sommes arrivés à la conclusion, chaque tronçon, ici on a sorti autant, voici ce qui a été fait, voici l'état de la route aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc il faut qu'on change des méthodes de gestion aujourd'hui. Comment on va changer avec vous? Bon, ça c'est la politique, c'est pas l'inspection générale des finances. Pourquoi rendez-vous public les résultats de vos enquêtes qui en principe devraient être secrets pour que la justice puisse prendre une décision dans la plénitude de sa sérénité, on va dire. Nous avons changé de méthode de travail de l'inspection générale des finances, notamment en rendant public les rapports. Pourquoi? De un, M. Christian, il faut que vous puissiez savoir que publier les rapports de l'inspection n'énerve aucune disposition légale. Aucune. Même pas les textes qui créent l'inspection générale des finances. La présomption d'innocence. Il est même prévu qu'à la fin de l'année, nous fassions un rapport d'activité qui retrace tout ce que nous avions fait comme mission et les constats et les mettre dans notre site web. Tout le monde peut y accéder et lire ce que nous avions fait comme travail. Donc, mais pourquoi nous avions opté pour la publicité ou pour communiquer sur les résultats de nos contrôles? L'inspection générale des finances a été créée le 15 septembre 1987. Aujourd'hui, nous sommes à près de 34 ans. Ce service a toujours travaillé, mais les résultats des contrôles de l'inspection générale des finances se terminent dans les tiroirs des autorités administratives et judiciaires. Donc aujourd'hui, vous annoncez la main à la justice? Non, pas ça. Pas ça parce que nos conclusions ne sont pas forcément destinées à la justice. Parce que nous arrivons à des faits qui sont parfois des infractions et à des faits de mégestion qui ne constituent pas des infractions pénales.
Donc, parfois, nous pouvons qualifier une mégestion sans transmettre les rapports à la justice, mais demander à l'autorité administrative de qui relève les gestionnaires de prendre les sanctions administratives. Donc, je voulais dire à la question de communiquer sur les résultats, nous avions compris que les gens qui détournent l'argent public avait des ramifications et une force de telle manière que nos rapports étaient systématiquement étouffés. Nous nous sommes dit, il faut changer de méthode. Et nous en avions discuté avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui est l'autorité directe de l'inspection. Il nous a dit, dans la mesure où vous n'énervez pas les dispositions légales, vous croyez bien faire en respectant les lois de la République, vous pouvez le faire. Pour moi, je ne vois pas de problème. Je vous ai dit de faire votre travail dans le respect des lois, de faire votre travail dans l'unique objectif que la bonne gouvernance s'installe dans la gestion des affaires publiques. Voilà pourquoi nous, on s'est dit, on change de méthode. Pourquoi nous avions changé aussi? Parce que les gens qui détournent, ils ont besoin d'une chose. Là, ils tiennent à ça, c'est la dignité. Ils veulent d'un côté voler l'argent de la République, de l'autre côté être considérés comme étant des dignitaires, comme étant des personnes respectables dans la société. Mais quand ils détournent, ils n'imaginent pas les dégâts qu'ils sont en train de causer. On n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de route à cause des... Et ils veulent détourner l'argent, devenir des millionnaires sur les fonds publics et avoir une dignité. Nous nous sommes dit, il est important aujourd'hui, comme ils s'accrochent à leur dignité, il est important aujourd'hui que nous puissions donner les résultats de nos contrôles aux propriétaires des fonds publics. Les propriétaires des fonds publics, c'est le peuple. C'est l'opinion publique. C'est vous qui payez les impôts. Le peuple, vous payez les impôts et on doit vous dire comment cet argent est géré. Voilà pourquoi nous disons, après avoir terminé, vous vous posez la question, l'ego passe, l'argent part où? Vous nous posez la question, on vous répond, voilà comment l'argent de GOPAS est géré. Vous posez la question, tel fonds qu'on prélève, RLT, Redevance Logistique Terrestre, nous vous répondrons, cet argent part où? Donc, nous répondons à la population qui est propriétaire des fonds publics, de quelle manière les fonds publics sont gérés. C'est ce qui inquiète. Voilà pourquoi... Non, c'est pas, c'est pas forcément une inquiétude, c'est juste que peut-être que vous violez la loi de présomption d'innocence. Parce que nous prenons précaution de dire que nous avions contrôlé telle entité, nous avons trouvé des faits de détournement. Nous ne citons pas les gens. Okay. Et souvent, quand nous parlons qu'il y a des faits de détournement dans telle entité et tout, nous nous limitons là, c'est eux-mêmes qui s'agitent à gauche, à droite, et qui lance les débats autour de ce que nous avions fait comme travail. Nous, on ne les cite pas. Nous savons notre métier, nous savons où nous limiter, mais nous voulons que la population sache qu'à tel endroit, on a mal géré les fonds publics, que la presse soit regardante, que la population puisse être regardante, et nous transmettons le dossier à la justice. Ce n'est pas pour faire pression à la justice, nous transmettons les dossiers, nous laissons la justice faire son travail. Il y a beaucoup de dossiers que nous avions transmis à la justice dont on n'en parle pas et dont nous ne demandons rien à la justice. Pourquoi? Nous avions fait notre part. Pourquoi deux poids deux mesures? Pourquoi certains vous font de la publicité et d'autres non? Parce que vous êtes sûr pour cela qu'ils vont être suivis des faits? Si nous nous mettons à communiquer sur tout, vous serez vraiment fatigué de notre communication. Parce que sur 10 missions aujourd'hui que nous effectuons, au moins 9 sont émaillées des faits de détournement, de corruption. Plus de 90% de la gestion publique est frauduleuse? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Plus de 90% de la gestion publique est frauduleuse? J'ai dit que nous, aujourd'hui, quand on fait 10 missions de contrôle, en tout cas, on ne peut pas trouver 90% de nos missions de contrôle se soldent par des faits de mégestion et des faits de détournement. 90%. Parfois, c'est les 100%. C'est pour vous dire le niveau de la prédation financière que le pays connaît. Et moi, j'ai dit d'ailleurs, la prédation que la République démocratique du Congo a connue les 10 dernières années,
qui remonte parfois vers les années 2010 à ces jours. C'est historique. Et je vous dis, c'est historique. On a des détournements en termes de millions de dollars. À tel point qu'aujourd'hui, quand nous avons un rapport d'un détournement de 100 000, de 150 000, c'est un détournement, ça nous préoccupe. Mais ce n'est pas classé en ordre d'utile par rapport à l'ampleur des dégâts que nous avons aujourd'hui en termes de millions. C'est comme si les gestionnaires publics qui détournent font une concurrence. En termes de millions de détournements, c'est alarmant et c'est important aujourd'hui que tous les Congolais se mobilisent pour repousser cet état des choses dans notre société. Monsieur Gilles Alinguete, vous êtes super flic, superman, au-dessus de tout soupçon? Non, je suis super flic, super flic. Oui, super flic, oui, je le suis parce que je dirige l'organe supérieur du contrôle de notre pays, placé auprès de l'exécutif. Mais je suis un homme, je ne peux pas être... Je suis aussi faillible comme tout être humain. Donc pas au-dessus de tout soupçon. Je ne sais pas de quel domaine vous parlez. Soupçon, êtes-vous incorruptible? Pour exercer cette mission de l'inspection générale des finances, il faut se mettre au-dessus de la corruption. Je mets à défi, je suis en direct, je mets à défi toute personne. Nous avons contrôlé, vous avez cité les entreprises, les comptes généraux du Trésor. Parce que vous dites, certains ont essayé. Je mets à défi. Et sur ce terrain-là, on ne nous aura pas. Vous n'avez étouffé aucune affaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je n'ai même pas la possibilité d'étouffer aujourd'hui. Quand on donne une mission aux inspecteurs de finances, ils ont également la liberté de conduire. Nous avons la surveillance pour qu'on s'assure que cette mission se déroule dans les bonnes conditions et qu'on arrive au résultat réel. Voilà. Certains Congolais vous diront, vous êtes à l'abri du besoin donc. À l'abri des besoins. Oui. Mais vous ne pouvez pas exercer les fonctions qui sont les nôtres. Si vous n'êtes pas à l'abri. On puisse vous mettre à l'abri des besoins. J'ai quand même un minimum pour vivre. Ça, le gouvernement nous le donne. J'ai posé récemment la question au président. À quel niveau de salaire vous êtes, vous, pour être autant à l'abri du besoin? En tant qu'inspecteur général des finances, j'ai 22 millions de francs congolais les mois. Et c'est retraçable au niveau du ministère des budgets. J'ai 22 millions de francs congolais les mois comme rémunération globale et retraçable au niveau du ministère des budgets, en dépit du fait que je peux également bénéficier des fonds secrets de recherche qui permettent au service de chercher les informations fiables en matière de détournement pour bien orienter ses actions. Vous jouez. Et puis quand nous faisons des missions qui font récupérer au trésor public de l'argent, il est prévu dans nos lois une rétribution en termes de primes de contentieux et l'inspection fait un travail important dans ce cadre-là. Tout récemment, la semaine passée, nous avions l'inspection générale des finances à bénéficier d'une rétribution en termes de récupération des fonds. On a récupéré près de 5 millions de dollars et nous avions bénéficié avec la DGDA de près d'un million au profit des inspecteurs des finances. J'en suis aussi bénéficiaire. Et ça, c'est les lois de la République qui prévoient ça. Depuis peu, on parle de l'explosion des recettes. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on produit mieux ou parce qu'on a peur de vous? Non, je ne peux pas m'attribuer l'explosion des recettes. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Mais ce que je peux vous dire, l'année passée, l'inspection générale des finances a déclenché un combat contre les exonérations monnayées et fantaisistes, ainsi que le phénomène de compensation dans les finances publiques. Beaucoup ne nous ont pas cru quand il y a eu cette affaire. Nous avions dit qu'il fallait que nous puissions nous mobiliser pour mettre fin à ces exonérations illégales et mettre fin à des compensations, et que par la suite, on aura les résultats. Aujourd'hui, nous pensons que l'embellie des recettes qu'on a aujourd'hui, c'est la fin des exonérations et des compensations en est également pour quelque chose. Mais il faut reconnaître le travail
très appréciable des régies financières, les responsables des régies financières ainsi que les agents cadres de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD ont compris également qu'ils devaient donner les meilleurs d'eux-mêmes pour la République. Ils se sont mobilisés et tous ensemble, les régies, l'inspection générale des finances, sous l'impulsion de son excellence, monsieur le ministre des Finances actuel, qui a vraiment une très bonne volonté d'accompagner le travail des régies et le travail de l'inspection générale des finances. Donc, nous nous sommes mis ensemble pour faire ce travail qui donne les résultats au niveau des recettes. Donc, c'est un travail de toute une équipe, les régies, l'inspection, les ministres des Finances en tête, tous ensemble. Voilà pourquoi on se réunit régulièrement pour arrêter des stratégies, pour évaluer et tout. Bon, c'est un travail d'ensemble.